Non, hein, la richesse aux États-Unis, le salaire, mesuré par la richesse. Les 10% les plus riches aux États-Unis ont contrôlé 71% de la richesse américaine. Et le premier pourcent, a contrôlé 38% de la richesse aux États-Unis en 2000 ans. Et le 40%, le moins riche, le 40% en bas, moins qu'à 1% de la richesse, tu comprends, hein? Donc le 40% représente moins 1% de la richesse, et le 1% représente moins 10% de la richesse américaine. Voilà l'inégalité. Est-ce que pour autant, l'importance de la richesse définit l'importance politique de ces classes de personnes? Ils ont le lobby, ils ont le représentant, ils peuvent acheter les députés, les représentantes qui font les lois. Donc, ils sont bien représentés, les riches. Hein. Si on pour les gens qui travaillent, hein, pas la richesse ni le salaire, hein, c'est mesuré en 2007 comme suivant. Les gens, le 20% de la population qui touche le plus grand salaire, touche le salaire total des États-Unis, 50%. Qui touche 50% de tous les salaires payés aux États-Unis, le 20% le plus riche. Et le 20% le plus pauvre touche 4% du salaire national. Donc les pauvres sont vraiment pauvres, hein, et les riches, inimaginables. Le système est fait pour qu'ils restent pauvres et que les autres restent riches. Les lois sont passées pour garantir la stabilité de cette inégalité. Et comme j'ai dit avant, la tradition, par exemple, les déclarations d'indépendance et tous ces documents sont oubliés. Dans la vie quotidienne, on accepte l'inégalité, l'injustice. Et petit à petit, on souffre, mais on souffre en silence. On n'engueule pas. Et on n'a pas le parti ni le syndicat qui nous représente. Donc, comme j'ai dit avant, c'est comme la société de du tiers, les gens ont un salaire qui peut vivre. Un tiers sont dans la misère. Et les gens sont tellement inquiétés d'être dans la misère qu'ils font tout pour être parmi les deux tiers. Hein. Mais ils ne font rien pour changer la société globale. C'est une société de chacun pour soi. Par là, c'est un individualisme parce que ce système se perpétue. Quoi. Et comment ça se fait que ça évolue jamais?